Et ben voilà, ça y est, on y est arrivé. On y est arrivé. Bonjour, j'espère que vous êtes toujours là. En tout cas, voilà, cette pomme de pin va nous accompagner pour cette dernière méditation. Et bonjour Myriam, mon amie Fabienne, que je ne peux pas filmer. Merci Fabienne, qui me tient l'appareil. J'espère que j'aurai assez de réseau. Écoutez, nous ferons de toute façon au mieux. Super de vous retrouver, vous êtes super parce que vous avez de la patience et tout. Bonsoir à tout le monde, je vous vois et c'est super. Et vraiment, l'expérience m'apprend, vous voyez, après le confinement, je m'étais dit, je vais faire une super méditation de fin de confinement. Bah, j'étais un peu malade, donc la méditation a duré 10 minutes. J'ai dit, dernière méditation de toute cette période, je vais faire devant l'océan, ça va être top. Et en fait, ça capte pas. Donc, le moment présent, c'est le seul moment où on sait ce qui se passe, en fait. C'est vraiment ce que je me dis. Alors, j'avais mes cymbales et je ne les ai plus. Alors, où sont-elles? Elles sont là. Elles sont là. Hop. Voilà. Bon, bah super de vous voir. Alors, je vais faire au mieux en fonction de la batterie parce que j'en ai pas plus beaucoup, parce que du coup ça pompe beaucoup. Je ne sais pas si je ferai de la relaxation, je ne pense pas. Oui, il y a du vent et il y en a beaucoup moins qu'à l'océan. Donc vous entendez peut-être un petit peu les oiseaux. Donc voilà, nous allons faire au mieux. Alors, on y va. Je vais laisser la pomme de pin là. Si elle tient. Se sont fermés. Et vous prenez conscience de l'espace dans lequel vous êtes, où vous avez choisi d'être maintenant pour cette dernière méditation, confinement, post-confinement. Le sol sur toutes les surfaces de contact. Observez qu'il y a des phases, des espaces où il n'y a pas de contact. Remontez le long des jambes. Installez-vous dans votre bassin. Sentez vos ischions qui tiennent votre assise.
Faites de légères rotations pour bien vous installer. Sentez votre stabilité. Puis remontez à partir du coccyx, remontez le long de la colonne. Baissez légèrement le menton pour aligner l'arrière de la tête avec la nuque. Et puis sentez que le haut de votre tête s'élève vers le ciel, grandissez-vous. Et en même temps, détendez mâchoire. Sont posées sur vos genoux, sur vos cuisses ou dans votre giron, main droite sur main gauche, pouce en contact. Vous pouvez faire un Chin Mudra ou le mudra qui vous vient à l'idée. Si vous ne connaissez pas tous les mudras, ce qui est tout à fait normal bien sûr, faites un mouvement avec vos doigts simple, mais que vous sentez là maintenant. Sentez que vous êtes installé dans cette posture stable, droite et digne, et que quoi qu'il se passe autour de vous, vous restez stable, vertical et digne. Centrez sur votre respiration. Les gens peuvent aller et venir autour de vous. Les oiseaux peuvent chanter. Quoi qu'il se passe, détente et vigilance. Stabilité, respiration. Vous restez à l'intérieur de vous-même, tranquille, confiant, confiante. Ouvert, en ouverture. Simplement respirez. Juste venu d'être en connexion les uns avec les autres. Vous pouvez visualiser, vous pouvez ouvrir les mains et visualiser que votre pouce, par exemple, touche le pouce de votre voisin des deux côtés, comme un cercle. Remerciez ce contact qui est là, qui a été là, tout le temps du confinement, après le confinement, tout ce qui a été vécu pendant cette période. Juste, je veux vous remercier d'avoir été là et
J'ai beaucoup de joie à être là avec vous maintenant. Beaucoup de gratitude pour tout. Parce que vous avez été nombreux à me dire que ces méditations vous ont apporté. Elles m'ont beaucoup apporté aussi. Respirez, respirez large, respirez avec tout votre corps. Je vous dis merci, je n'ai presque plus de batterie, il y a plein de voitures, c'est une condition, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Mais c'est ok, c'est juste comme ça maintenant et on accueille ce qui se passe. En tout cas, à mon grand regret, ouais, sinon ça risque de couper vraiment pendant la méditation. Et donc... merci à vous. Je vais revenir, je vais me poser et je voudrais vous proposer une méditation par semaine, certainement le week-end. Je vous tiendrai au courant dans la semaine. Voilà. Pour celles et ceux qui sont inscrits à mon cycle, je vous envoie un mail demain dans la matinée. Il y aura une surprise. Voilà. Eh bien, je vous embrasse tous et toutes. Et merci, merci.